Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo. Bon, mesdames et messieurs, 8e vidéo que je rec aujourd'hui. Ouais, vous pouvez être content, vous pouvez être fier de moi, je sais, je suis le boss. Je suis tout ce que vous pensez, évidemment, je suis le meilleur au monde. Non, il faut pas abuser non plus, mais je suis plutôt content. Hein. Là, je suis assez actif et je fais pas mal de choses intéressantes, donc ça me rassure. Bon, on avait comme objectif d'envoyer la masse de chasseurs de level 4 à la base. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de ces chasseurs pour pouvoir attaquer le groupe terroriste, le front tigré libre en Éthiopie. Parce que, évidemment, l'Éthiopie, c'est mon ami. Et il faut se rendre compte que je suis une puissance. Et moi, je veux aider les pays africains. Donc, si on doit se débarrasser d'eux, ben moi, je me débarrasse d'eux. Parce que moi, je suis très ami avec le gouvernement éthiopien. Alors, on va juste aider le Soudan aussi à devenir ami. Juste pour faire comprendre au monde et surtout aux Africains que... Attention, le Togo est là, le Togo est une puissance et le Togo doit rester une grande puissance. Quatre. 2, 4, 5. Oh, je me suis trompé dans mes calculs ou alors j'ai mis une vidéo qui j'ai oublié de mettre une vidéo sur YouTube. Ah, c'est possible ça par contre. Ça fait un peu chier par contre si j'ai oublié. Ah là là là. Soutien, oui. Par contre l'Algérie, toujours un problème. Hein. C'est toujours pas de problème. Donc c'est un peu compliqué de devenir ami avec eux. Bon là-dedans on a quoi? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas demandé 150 chasseurs? Ou des hélicos? Ou... D'où ils viennent ces 150 chasseurs? Bon après c'est pas grave, hein, c'est cool, hein. Mais j'ai jamais demandé autant de chasseurs. Bon. Tant pis, hein. C'est pas très grave, hein. On continue notre guerre. Hein. Alors. Oui. Oui. Ouais, c'est bizarre. Alliance. Oui. Oh. Bon, messieurs, comme vous êtes tous là et que vous voulez tout détruire, détruisez-moi tout ça. Ouh, ça va être magnifique par contre. Ah merde, j'ai oublié d'envoyer cela. Tiens, fais-moi ça aussi. Finances publiques, très content. Ah. Oui, mais ça, c'est parce que c'est fini la décroissance, c'est pour ça. Enfin, toujours en principe de décroissance, mais ça va être fini. Bon, on a tout cassé. Ça donne quoi là-dedans? 13 000, c'est tout? Je pensais qu'on aurait fait plus. Casse-moi ça, s'il te plaît. Là-dessus, on crée, on est OK.
Drone, casse-moi ça. Drone, casse-moi ça. Drone de level 3, allez hop, faites votre boulot aussi. Voilà, couverture est énorme. Oh, il y a 2000 gens ici. 2000. Petit sous-marin de la Chine ici. Petit sous-marin chinois. Hey, ils sont aussi ici, hein. Bonjour, il y en a 30 000. Ok, ça passe. Bon, ça, c'est un peu beaucoup. Oh, 150 000. 200, 150 000, qu'est-ce que je dis, moi? 26 000. Pour moi, ils sont 150 000. Oh, mec, ça, il faut détruire, ça, par contre. Ouh, 30 000 morts. Ah là, c'est chaud, ça fait mal. Hein. Unité ennemie repérée. Ah bah, plus que repérée, ils sont totalement morts, oui. Il est où? Il est là. Ça doit être le Yémen. Oh là! Oh là là, là, les 26 000. Là, ça va faire mal. Boum! J'ai tué plus de 50 000, là. Hein. Voilà. Front tigré libre. Bon, il en reste 20 000. 20 000. Allez, on peut le faire. Il en reste 20 000. Allez, on peut tous les tuer, il n'y a pas de souci. Alors, ça recrute dans l'éducation, du coup? Oh, ça recrute bien vite, hein. C'est très bien ça. 31 élèves par enseignant, 31 et demi. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est pas bien, mais c'est mieux qu'avant. Ça s'améliore. Sans un chasseur ici. Détruis-moi tout ça. Tu peux rentrer à la maison. Allons mener une attaque contre... Mais non, oh là là. Tu rentres juste à la base. Voilà. Arrête de me dire du caca, tu rentres juste à la base. Coucou, bonjour. Bam, voilà. Ici, il y a quoi? Des extrémistes. Et là aussi. Éthiopie, tu vas être content là. Il n'y en a plus beaucoup. Pardon? Ouais, je pense qu'ils sont plus ça qu'autre chose, hein. Et là-dessus, on a quoi? 50 000. Quoi? Encore 50 000 combattants? Il y en a combien? Excellent, merci. Faites-moi voir un petit peu ce que ça donne ici. Bon, notre économie, ça va mieux. Oh non! Mes drones sont déjà morts. Putain, c'était rapide, hein.
Putain, les drones, ça se casse très vite, hein. C'est vraiment de la merde, hein. J'en commandais davantage, hein. États-Unis. Eh. Tu me refiles quand même un peu de la merde, hein. Mais je t'en commande. Putain, ils sont déjà perdus, quoi. C'est impressionnant. Mais encore! J'ai perdu tous mes drones. Ah bah super. Putain, mais what? Encore 10. Casse-moi ce qu'il y a ici et puis on verra. Les rebelles font retraite. Wow, on s'en fout. Franchement, on bat les couilles. Oh, il va vite. Oh là là, il va ultra vite. Il nous faut plus de drones. Quelqu'un a des drones? Je t'en pique. Je t'en pique 19. Allez, viens ici. Parce que si on n'a pas de drones, c'est un peu compliqué. Oui. Le contrat que vous... Ouais, mauvais accord. Vous me dites tout le temps que c'est un mauvais accord alors que c'est un bon accord. Voilà. Bon, la croissance, ça donne quoi? 5,35. C'est toujours aussi pourri, hein. Toujours une aussi mauvaise croissance. Je voudrais bien aller en finir avec ce front Tigrillim, mais si à chaque fois, il y a mes drones qui meurent... Bah, ça va pas trop le faire, quoi. Ceux qui sont dans le porte-avions, n'hésitez pas, hein. Genre ça là. N'hésitez surtout pas à aller casser un petit peu tout ça. La santé, ça donne quoi les maternités? C'est bien, le taux de mortalité infantile qui chute continuellement, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la dette? Ouh, la réserve de trésorerie, mon dieu. $4000 milliards, on a déjà détruit. Ah oui, mais il y a une bonne partie, c'était pour faire la fibre. Donc en soi, ça va. En soi, ça passe. Bon, les drones, ils sont en train d'arriver. J'espère qu'ils vont pas se casser, eux, au moins. Les obsèques auront... Oui. Manifestation contre le budget de la défense. Ouais, mais il faut bien qu'on ait un budget de la défense. Même si c'est plus nos alliés qui vont en profiter. Genre l'Ethiopie, ils en profitent un max, hein. Après, c'est notre opération, hein. C'est juste une opération personnelle, hein. Voilà, on veut aider l'Ethiopie, qui est un pays dont on est ami, à ne plus avoir le front Tigré libre. Ça va passer par ce genre d'opération. Ok, on a des unités ennemies. Ok, ici il y a combien? 26 000. Ok, bon mec, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire quand tu vois ce genre de choses. Oh, il y a 21 000 ici aussi.
Mais ils sont beaucoup. Et là, ils sont combien maintenant? 24 000. Ouais, il y en a quasi plus. Ok, je sais où ils sont. Pas de soucis. Ils sont ici. Après, il en restera très peu. Et après, il n'y aura plus de front tigré libre. Du coup, l'Éthiopie sera tranquille. Ou tu peux retourner la base. Mais non, tu vas pas mener une attaque contre le Djibouti. Faut arrêter de me dire ça, là. Boum. Et maintenant, il vous reste combien de soldats, mes petits? 3 000. Bon, ben c'est quasi fini. Ben voilà. Détruisez-moi ça. Et on sera bon. C'est vrai qu'il va quand même vite, hein. Level 4. Les rebelles font retraite. Ils ont quasi plus rien, hein. Refais-moi un survol. Unité ennemie. Ah oui, il y en a, ils sont vraiment ici, quoi. Ah! Ah! Ça veut dire c'est terminé. Il n'y a plus d'organisation terroriste. Voilà, ils ont arrêté. Maintenant, c'est devenu ça. Ça veut dire que c'est terminé. Le front Tigré libre devient une organisation illégale sans avoir de méchants. Ah, vous pouvez me dire merci, hein. Parce que si j'étais pas là, ça aurait été compliqué pour vous. Bon, par contre, les 150, je sais pas où tu les as eus. Je sais vraiment pas où est-ce que je lui ai pris. Retrait des troupes à l'étranger? Hein? Hein? Bon, écoutez, restez là-dedans, c'est déjà bien. Voilà, vous allez rester là-dedans, c'est cool. Mais j'ai pas retiré des troupes à l'étranger, mais qu'est-ce qu'il me dit? Bon, excellent, on a terminé notre attaque. On a terminé de détruire l'organisation terroriste du front Tigré libre. Désormais, maintenant c'est au tour de l'Éthiopie de faire son travail. Je peux pas tout faire non plus. Ah, ça fait du bien. Voilà, on est le héros de l'Afrique. Bon, pas du front Tigré libre, mais voilà. L'Éthiopie, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous défendre. Maintenant, reconstituez votre économie. Redevenez ce que vous y étiez normalement. Et puis voilà. Félicitations à l'Éthiopie. Vous êtes redevenu une nation classique. Oui, il n'y a plus de guerre. Alors la Somalie, en vrai la Somalie... Et qu'est-ce qui reste aux Libyens? Les forces démocratiques, il y a combien dedans? 40 000 sympathisants, 256 pick-up, 158 blindés. Waouh, il y a beaucoup de blindés quand même. Bon, c'est de level 1, mais même des fois, c'est de level 2. Hein, donc, attention. $4,93. Ah, là, c'est pas mal. Et en termes de croissance, on en est où? Par rapport au reste du monde? Ça va, ça remonte. États-Unis, 14. 7% ici. 1%.
3%. L'IDH, on est pas mal. Oh, le taux de scolarité du troisième degré, ça c'est pas mal. Primaire, 99%, c'est toujours pareil. Dette, on est pas mal. Bon, bah ça va. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode, évidemment. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.